Bonsoir, chers pêcheurs, chers abonnés, nous voici enfin réunis, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, hein, donc cette année ça sera une par mois, parce que je peux pas en faire plus. Donc on va essayer de prendre des sujets mois par mois par rapport à la saison actuelle. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de mai. Donc ce mois-ci j'ai choisi de vous parler des petits et des gros appâts. Hein, donc pourquoi utiliser des gros appâts? Pourquoi vouloir sélectionner le poisson? Pourquoi vouloir avoir cette stratégie de gros appâts, hein, en ce mois de mai? Alors vous me direz, c'est peut-être pas la bonne période, c'est la période de fraye. Bon, j'ai tenté l'aventure, hein, c'est la période de fraye peut-être, mais le blanc est déjà très actif, donc d'où mon choix pour les gros appâts. Donc on y reviendra tout à l'heure, hein, donc là je vais m'installer, je vais poser les cannes. J'ai vu un très joli poisson de 10-12 kg passer en bordure dans les herbiers tout à l'heure. Une belle, très très belle miroir, assez contrastée en couleur, avec le ventre bien blanc. Elle était très jolie. Là je pose en toute discrétion, et puis j'espère vous reprendre rapidement pour vous montrer tout de suite un premier poisson, ça serait magnifique. Hein, mais bon, c'est jamais garanti. Et puis bon, on débattra sur le sujet, voilà, stratégie d'approche avec des grosses billes ou des petites billes ou de la graine. Hein, la graine, moi je ne suis pas trop graine à part la noix tigrée, hein, donc je vous expliquerai pourquoi. Et puis on essaiera encore de progresser sur la pêche du canal où il y a tant de jolis poissons qui nous attendent. A tout à l'heure. Je vous reprends suite à un déménagement, hein, parce que bon, je viens de faire 48 heures sur un poste amorcé depuis une semaine. J'ai décroché qu'un petit poisson cette nuit et je suis même pas sûr que c'est une carpe. Donc, je pense que si, mais c'était pas un gros poisson. Et le but de cet amorçage à la grosse bille, c'était de toucher du bon. Bon, c'est pas grave, les conditions sont difficiles un peu partout en ce moment, tout du moins dans les canaux. Donc, j'ai décidé de bouger. Je me suis mis dans un canal où il y a beaucoup plus de navigation et où l'eau est remuée sans cesse, voire jusque dans le fond. Donc le poisson est obligé de se déplacer beaucoup plus. Donc on va augmenter le taux de chance de prise. Alors l'amorçage à la grosse bille, oui, la preuve, on peut prendre des petits poissons, effectivement. En sachant que dès que vous allez pêcher avec la bille de 25 mm, les prises de poissons en dessous de 10 kg vont se faire de plus en plus rares. Vous n'aurez pas forcément moins de touches. Je l'ai cru au début, c'est pas le cas. Mais la sélection ne va pas se faire seulement par la bille, proprement dite. Comment vous expliquer? C'est une stratégie en fait. Si vous pêchez avec des grosses billes, ici en l'occurrence, vous savez, je fais ma saison à la triple R, donc j'ai pris que de la 25 mm. Je vais essayer de vous en trouver une petite dans le paquet si je trouve. Alors voilà. Donc ici on a du 20 mm. Ici on a du 25, vous voyez la différence. Voilà. Donc l'avantage d'amorcer avec des grosses billes comme ça, c'est que votre amorçage va rester beaucoup plus longtemps en place. Pourquoi? Parce que tout ce qui est petite brème, gardons, etc. Même les brèmes d'une certaine taille ont énormément le mal à avaler cette bille. Donc votre amorçage va rester là beaucoup plus longtemps. Plus vous allez descendre en taille de bille, certes, vous allez faire des grands tapis, mais ça va être dévoré par les blancs. Alors l'hiver, la petite bille, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de blanc. Donc oui, pourquoi pas. Par contre, ici, comme ici dans ce canal, il y a de très grosses brèmes. Si j'amorce à la 18 à la 14 mm, je vais me faire lessiver mon cou en 2 minutes. Et puis, il n'y aura plus d'amorce.
Donc le deuxième point, attirer les petits avec de la petite bille ou de la graine, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. C'est une stratégie que moi perso j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on attire le blanc, alors on se dit on attire le blanc, les carpes vont suivre. Oui, peut-être, mais quand les carpes vont arriver, il n'y aura plus rien à manger. Ou alors ça sera un gros bordel sur votre cou. Hein, donc les montages seront retournés, ne seront plus forcément opérationnels. Donc pour moi c'est une stratégie que j'évite. Ou alors sur des longues sessions où là je vais démarrer mon cou à la graine et je vais rester 48 heures sur place sans pêcher, uniquement amorcé. Et dès l'arrivée des carpes, je vais mettre que de la bille et je vais pêcher uniquement la bille. Donc ça évite de piquer, d'avoir énormément de mouvements sur vos coups, hein, parce que les grosses carpes ont horreur, hein, elles aiment bien la tranquillité. En pêchant comme ça avec des grosses billes, vous piquez moins de petits poissons, donc vous dérangez moins le poste. Vous relevez moins souvent vos cannes, vous faites moins de bruit. Donc ce qui se passe, c'est que votre moyenne monte en flèche, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas forcément mettre une grosse bille pour les gros poissons, c'est toute une stratégie à mettre en place en fait. Mais oui, parfois ça arrive de prendre un petit poisson avec une grosse bille. Donc voilà, donc toujours dans cette histoire de gros appoches, je vous ai préparé deux montages que j'utilise. Hein, donc ici, un premier montage, donc on a un petit line aligner avec un hameçon numéro 6 de chez Vardis, je cherchais, excusez-moi, donc c'est un gripper, et donc une belle forme comme ça, avec une bille de 20. Hein, donc je laisse toujours un espace assez... assez important, mais pas loin du centimètre entre l'hameçon et la bille pour qu'il y ait vraiment une bonne articulation, parce qu'on est quand même sur des poissons qui se déplacent, qui aspirent en se déplaçant en pêche le sauvage, n'oubliez pas. Hein, donc voilà, le type de montage avec un cheveu hyper souple que j'utilise le plus souvent possible. Et à côté de ça, un montage avec deux billes de 25. Hein, donc pour justement limiter la mise en bouche, la prise en bouche par les brèmes, les tanches, etc. ou les petites carpes. Donc voilà, ça donne ça. Donc ici, j'ai utilisé un gripper numéro 4 avec un line aligner que j'ai fait moi-même avec de la gaine thermo un peu plus longue. J'ai mis un cône ici pour rigidifier le bas de ligne, vous voyez. Hein, ce qui fait que si le blanc vient s'amuser avec, ça ne peut pas emmêler le montage. Donc il faut vraiment que ça reste pêchant sans être obligé de rejeter et puis déranger le coup. Hein, donc ça permet de prendre les plus belles qui sont dans le secteur. Après, tout dépend de la population de où vous pêchez. Voilà, en comparaison, ça donne cela. Vous voyez, c'est pas la même, on parle pas de la même bouchée. J'essaie de vous le montrer comme ça. Voilà. On parle pas de la même bouchée du tout. Hein. Donc c'est vraiment pour limiter la prise des poissons en dessous de 10 kg. Hein, en sachant que de temps en temps on en fait quand même. Mais ça limite. Ça, une carpe de 5 kg est incapable de l'avaler. Donc au bout d'un moment, elle va finir par se piquer à force de taper dessus. Ou elle va laisser tomber. Donc tout simplement, et votre montage va rester opérationnel pour le passage d'une éventuelle. Beaucoup plus grosse. Donc là on est en 35 livres hein, bien sûr minimum puisqu'on vise le gros poisson. 35 livres, bonne ligne semi-rigide. Hein, voilà. Donc ça quand ça déroule c'est très rare de prendre des petits poissons, c'est souvent des très beaux, hein, au-dessus de 10 en tout cas, et d'avoir des combats assez mémorables parce que c'est des poissons de canot déjà au-dessus de 10, ça vous arrache les bras quoi.
après vous avoir montré ce montage, je vais le faire avec vous pour qu'on puisse bien comprendre sa mécanique par rapport au tandem de 25 mm qui est quand même assez volumineux. Hein, donc ici on va prendre les billes, on va prendre des triple R puisque je fais ma saison avec ça, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est assez important. Donc mécaniquement, il faut que ça fonctionne. Donc on va faire ce banning là ensemble, et puis une petite astuce avec un contrepoids, je vous expliquerai à quoi il sert. Donc voilà, pour faire ce montage, on va utiliser une tresse gainée chez Vardis, hein, puisque je pêche avec le matériel Vardis également, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Donc une tresse gainée camou, hein, donc en 35 livres, parce qu'on cherche quand même à prendre de gros poissons. Hein, donc on va prendre un bout de tresse, hop, voilà. En hameçon, on va prendre du gripper, toujours chez Vardis. En taille 4, hein, donc c'est un hameçon qui équivaut aux deux chez Drennan à peu près, hein, donc malgré que c'est une marque anglaise, les tailles d'hameçon restent on va dire adaptées à la pêche française. Donc l'avantage des hameçons Vardis, c'est qu'ils restent en fil de fer assez fin, donc ils conservent même en grande taille un très bon piquant, hein, grâce à ça, hein, vous voyez ça accroche direct, hein, donc et malgré cette finesse, une très grande résistance à l'ouverture. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui j'ai fait du beau poisson jusqu'à 25 kg sans souci de déformation d'hameçon ou quoi que ce soit. Voilà, donc alors cet hameçon on va le monter. Hop, donc souvenez que j'avais abandonné le nœud sans nœud. Donc ici le premier tour c'est toujours le plus dur à faire. On couvre. Hop, hop, hop. Voilà. Et on vient tirer sur l'autre bout. Donc ça, c'était logé dans une autre vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Ce qui fait qu'on est lié, non pas avec un nœud sans nœud classique, mais on est lié sur la tige de l'hameçon, vous voyez. Donc hop, on place bien ses spires. Et on vient repasser comme un nœud sans nœud dans l'œillet. Voilà, ce qui fait qu'on a un alignement parfait et votre nœud ne tourne pas. Donc ça, on l'avait vu sur une vidéo l'été dernier. Hop, voilà. Donc ici, on a notre hameçon qui est assemblé. Donc on va y glisser un bout de gaine thermo, hein, pour donner une forme ben hook, hein, comme on dit. Donc je vois souvent les gens qui mettent un bout de gaine thermo ou des line liners tout fait, donc ça marche très bien, sauf qu'ici sur une grande taille d'hameçon on va être un peu embêté pour le placer dessus, l'œil étant plus gros. Donc on va utiliser ici un bout de gaine thermo. Donc je vois souvent les gens ils mettent leur bout de gaine thermo, clac, ils donnent la forme dans la vapeur, ça c'est pas bon, faut pas faire ça, hein. Prenez une aiguille à épissure, vous venez ici, vous percez ici, voilà, comme ça, hop, avec votre crochet. Ah, vous enfilez votre aiguille dedans, voilà. Vous remarquerez sur les lines qui sont tout faits du commerce, vous avez un petit trou avant et un retour, donc il suffit de le faire manuellement, quoi. Donc voilà. Donc ici on se retrouve avec son bout de gaine thermo. On va enfiler à froid là-dessus. Ici on place la sortie de la tresse, voilà, face à la pointe, hein, pour être bien dans l'axe ici, voilà, et on va passer ça à la vapeur, voilà. Donc vous voyez ici on se retrouve bien sûr avec un excédent, mais bon ça c'est pas grave. Comme ça, en fait, en faisant ça, votre tresse, au lieu de sortir droite ici éventuellement de la gaine, elle sort et elle se recourbe comme ça, vous voyez. Voilà, au lieu de sortir droite comme ça, elle revient encore comme ça. Et ça, c'est encore meilleur pour tomber dans la lèvre inférieure de la carpe. Donc, on coupe. Alors, vous coupez, allez, 1 mm plus loin ou 2 mm plus loin, légèrement en biais. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Vous voyez. Voilà. Voilà.
Donc ça, c'est fait. Vous voyez, on a vraiment une belle courbure ici. Hein, donc ça, c'est nickel. Donc maintenant, on va venir y attacher un cheveu. Parce que vous avez remarqué, j'étais un adepte du cheveu très souple par rapport à mon bas de ligne. Pourquoi ? Parce qu'il faut garder une bonne articulation de vos billes par rapport au bas de ligne. Donc le cheveu doit, pour moi, à mon avis, toujours être plus souple que votre bas de ligne. Ou à l'inverse, carrément en nylon quand vous, vraiment vous avez trop de blanc qui tape dans vos billes. Voilà, mais là on va partir avec un tandem de 25. Donc vous voyez, j'ai plié, en fait je fais une ligature d'hameçon à toute bête. Voilà, je fais deux tours en montant, deux tours en descendant pour croiser. Comme ça, ça évite que ça glisse. Voilà. Et j'utilise une tresse très très fine en fait. Très souple. Je serre mon nœud tout bêtement. Voilà. Et ça, mon cheveu, je viens le descendre dans le creux de l'hameçon. En fait, votre cheveu, il va s'aligner. Quand vous tendez votre bas de ligne, en fait, votre tresse de bas de ligne est alignée par rapport aux cheveux. Ça m'a toujours très très bien réussi, donc on change pas une équipe qui gagne. Voilà, ici, on coupe, on vient brûler pour pas que le nœud parte. Perdre votre cheveu, ça serait quand même dommage. Voilà. Donc ici, après, on va prendre de grosses billes. Donc il faut savoir que plus vos appâts sont gros, plus il faut laisser de marge entre l'hameçon et vos appâts. Il faut laisser de liberté aux cheveux. Hein? Donc ici, je place mes deux billes ici. Je vais plier mon cheveu en bout là ici. Voilà. Là, c'est à peu près. Hein? Voilà. Et je vais venir. Alors je ne me casse pas la tête à faire des petites boucles, ça ne sert à rien du tout. Je fais une grande boucle. En plus à double matrice, ça évite aux billes de se promener. Voilà, c'est plus facile à mettre les stops. Hop. Voilà, toujours travailler proprement. Voilà. Donc ici, on va enfiler les deux billes. Voilà. Donc ici, vous voyez, on va être collé à l'hameçon. Donc ça, c'est pas bon. Grâce ici à ces stops, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est les stop extend. Donc on a des petites tailles, des moyennes tailles et des grandes tailles. Donc ça vous permet de récupérer de la longueur au niveau du cheveu. Hop. Voilà, je vais récupérer mon centimètre qui me manque. Voilà. On vient repousser les billes ici. Vous voyez, j'ai pratiquement un doigt ici entre l'hameçon et le cheveu. Et la première bille. Alors, petite particularité, il faut toujours faire attention que votre première bille ici ne se promène pas. C'est pour ça que je fais des grandes boucles, ça le maintient dedans. Si par malheur, celle-ci vient se promener puis venir se reposer sur l'hameçon, bah, vous remettez soit une tige de pain ou un stop ici, comme là, vous voyez, j'en remets un stop à l'envers. Je viens coincer dedans, hop, voilà. Ça évite que mes billes se séparent. Il faut toujours que ça soit bien solidaire. Donc ici, on voit bien qu'on a un appât qui est complètement bien articulé par rapport à l'hameçon, vous voyez, dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que la carpe aspire, recrache. Quand elle aspire, elle trie dans sa bouche tout ce qui est comestible et elle recrache le reste. Donc c'est possible qu'elle recrache votre montage. Donc ce qu'il faut impérativement, bah, c'est qu'elle recrache les billes, mais que votre hameçon, lui, il se mette en position pour aller chercher la lèvre inférieure. D'accord ? Donc ça, c'est très 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 important. Donc limite, vous voyez, il faut laisser même un peu plus de liberté. Moi, j'ai déjà vu laisser 1,5 cm hein, sur les poissons de rivière, ça pose aucun problème, au contraire. Ça laisse le temps à l'hameçon de tomber dans la lèvre inférieure et d'aller chercher vraiment le dur de la chair où là où vous n'aurez aucune décroche. Donc petite astuce maintenant pour ce type de montage, hein, parce qu'on est sur une grosse bouchée, donc vous voyez mécaniquement il faut, l'articulation, un minimum de technique. Une petite astuce,
Vous prenez un petit bout de tresse très très fin. Hop, j'ai perdu le montage, c'est pas grave. Faites un nœud. Faites un nœud simple, ne vous embêtez pas. Avec des gros doigts, c'est pas toujours simple. Voilà, donc on fait un nœud simple. Je vais aller chercher le montage. Ici, on le passe à l'hameçon. On vient le serrer. Hop. On va brûler le bout pour que ça polymérise, comme je vous avais déjà montré. Hop, on tire dessus. Voilà. Donc ce petit bout de tresse là, vous voyez, il va venir derrière l'ardillon et dessus. On va venir pincer un petit plomb anglaise. Donc il fait 0,70 grammes à peu près. Hein, vous voyez, il faut une petite charge. Hein, il n'y a pas besoin de pas mettre un pavé non plus. Voilà, dessus on vient serrer le plomb sur cette petite tresse. Hop. Voilà. Vous laissez un millimètre de liberté, hein, pour ne pas être embêté. Vous coupez. Ici, vous coupez là. Vous brûlez le bout, comme ça, votre chevrotine ne peut pas se barrer. Voilà. Donc ici, on se retrouve toujours avec le même montage. Mais regardez bien, on a chargé la pointe. Pourquoi? Parce que quand la carpe va rejeter l'appât, si elle le rejette, bien sûr, hein, ce qui arrive très souvent, votre pointe ici va s'alourdir, vous voyez, voilà, donc elle va aller chercher la lèvre beaucoup plus rapidement. Donc imaginez un peu la lèvre d'une carpe, et votre hameçon va retomber plus rapidement derrière. Bon, c'est une fraction de seconde, hein. Mais ben moi je me dis que si ça peut me faire un gros poisson de plus dans l'année, c'est toujours un gros poisson de plus dans l'année, en plus ça coûte rien de rajouter une petite chevrotine, et l'hameçon va vraiment, la pointe est alourdie, elle va chercher tout de suite le bas. Donc c'est normal. Hein. Voilà. Là, le type de montage que j'utilise avec des tandems de 25 mm. Et ici, bien sûr, on va venir mettre son émerillon. S'achève, hein, on n'a pas fait de gros poissons, hein, comme escompté avec cette nouvelle technique. Donc pour la dernière nuit, j'ai mis une canne ici en bordure avec une bille de 20, hein, tout simplement, avec une petite poignée de pelée pour essayer quand même de faire un poisson. J'ai réussi à faire un poisson, donc on a sauvé le capot. Bon, par contre, c'est un poisson de 5 kg, donc très combatif, très joli. Par contre, le souci, c'est qu'en ayant piqué un petit poisson comme ça, j'ai en gros, j'ai foutu le bordel sur le poste. Et s'il y avait un ou deux gros poissons dans le secteur, eh ben, ils sont partis. Donc je suis passé à côté certainement de ma chance de prendre un gros poisson, s'il y en avait. Bon, apparemment, ils n'étaient pas dans le secteur, donc bah, j'ai sauvé le capot. Comme quoi, il faut savoir rebondir dans sa pêche, faut savoir être ouvert d'esprit, et puis s'amuser comme il se doit. Voilà. Donc j'ai pris quelques photos de poissons que j'ai déjà fait dans les canaux, des gros poissons, avec la même technique, hein, pour agrémenter cette vidéo. Puis pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on peut obtenir grâce à cette stratégie d'amorçage et de pêche à la grosse bille. Donc je vous rappelle bien que c'est pas prendre une grosse bille pour prendre un gros poisson, mais c'est toute une technique à mettre en place, hein, donc sur l'ensemble de la pêche, pour dire de sélectionner les plus gros poissons du secteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve en juin, donc après la fraye, en espérant faire de plus jolies pêches, hein, parce que les poissons n'ont pas tiré sur leurs réserves cette année suite à l'hiver qu'on n'a pas eu, hein, donc elles ne courent pas forcément après beaucoup de nourriture, donc la saison est un peu plus difficile à démarrer, mais bon, on va s'amuser quand même, et puis toujours prendre du plaisir au bord de l'eau. À bientôt.